parce qu'il y a une logique également à ce petit changement, nous vous proposons d'intervertir en fait les deux interventions. Donc le docteur Doba Cholo interviendra en premier, puis ensuite nous aurons le plaisir d'entendre Madame Consi. Pourquoi? Parce qu'évidemment le docteur Cholo, Doba Cholo, pardon, médecin généraliste, écrivain également, interviendra sur l'origine de la médecine. Vous comprendrez dans le fil du débat à quel point c'est important, puisque Madame Consi interviendra sur les plantes médicinales. Donc nous serons d'abord davantage dans la pratique. Donc cette quête vers l'origine de la médecine, comment passe-t-on d'Hippocrate à Imhotep, nous conduit en fait dans une conscientisation personnelle d'abord, communautaire, humanitaire, mais aussi sociétale. L'Afrique, comme le disait à l'instant un intervenant, berceau de l'humanité, c'est aussi berceau de la gouvernance, nous le savons, et nous l'entendrons berceau de la science. Je vous passe donc la parole, docteur Doba Cholo. Fernando Bachelot. Alors, oui. Alors, déjà, Django, comme on a appris en pays d'Haïti, et votre immersion. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes qui pas qu'à Fontaine Créole? Bon. Donc, alors, il n'y a pas des. Donc alors, ça, les consciences qu'a éveillé, et puis, moi de Capron, Kou, Perron, et puis, pour retourner, voilà, Perron, équivalent à Niger, en Guadeloupe, une de Capron qui, mathématique, c'était en Afrique. Que tu as inventé, les cuitis en Afrique que tu as inventé, et qui donc, c'est pour ça qu'on pose comme question. Et bien, c'est là, et métier est-ce que. Voilà, pour te poser des questions. Et ça qui fait, c'est que ni en Chaïmoun, ni en Bourguignon, Thierry Bardinet, qui traduit des papyrus, c'est. Des textes des anciens égyptiens, ni M. Richard Alain Jean qui publiait une série de planches anatomiques qui a montré que franchement dans cette note qu'on est tout ça qui était Adam encore humain, ni aussi docteur Guy Kodzo Alouvor qui c'est un orthopédiste qui au nord de Paris, qui a fait un bel travail. Le sable orthopédiste, ses os, il a rangé, il a mis à un très très bon niveau, et il fait en lot conférence en l'air des origines africaines de la chirurgie, et notamment des césariennes. Donc ça a été extraordinaire de savoir que depuis 4000 ans, il a déjà fait césarienne. Et donc, Monté Mené a fait un article, un lait stéthoscope. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Comme quoi, ce stéthoscope-là, ce n'est pas l'ANEC qui découvre, mais il a figuré un lait mûr comme un beau. Vous savez, en Égypte, il a à côté un lait maçon de qui met tous ses outils, ces outils médicaux-là qui. Scouté, hein, qui Adam Masson. Alors, je sais que l'écriture, vous trouvez des Z d'autruche qui étaient gravés depuis moins 60 000 ans en Afrique du Sud. Et je sais aussi que ni en cité, sud-africaine que j'ai trouvé
en moins 200 000 ans avant Léonou, avant Tantara. Et donc, c'est tout naturellement m'a évolué vers. On a trouvé tout ça, élément qui était mis en piste, dit ces autres plats. C'est un scope d'accord, mais était mis tout en pensée qui était différent. Et c'est ça, c'est pour ça que nous venons à écrire, à faire travail là. Et le premier bail nous fait, c'est de présenter, et puis les autres médecins, l'AMENA, de présenter le club médical. Ça fait 2 février 2018. Et donc, voilà, donc enfin, en tout cas, manquez pas les autres déjà de. Ça pue simplement moins de reprendre les slidings, comme j'ai fait des expositions de travail d'Alain. Et donc, il n'y a qu'à crier la pensée médicale. C'est-à-dire que déjà, ça est différent. C'est-à-dire que la pensée médicale africaine, c'est à la fois, c'est comme maladie, c'est reflet les rivalités qu'il y a entre les forces qui sont positives et puis les forces qui sont négatives dans le cosmos. Et c'est ça qui a généré la maladie. Donc déjà, en tout cas, ouais, il y a un autre niveau de conception maladie. Et donc, ni les papyrus dits de Ebers, hein, datés de moins 1560, mais qui est beaucoup plus ancien, et ça fait que Hippocrate, en fait, hein, qui naît en moins 460, et qui meurt en moins 370 avant l'époque nous. Donc Hippocrate est étudiant en Afrique. Donc il ne peut pas inventer la médecine d'ici, aller apprendre la médecine en Afrique. Et donc, il était à l'école d'Alexandrie en Égypte. Et les principes qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit caca hippopotame. Vous savez bien, en Grèce, pas fini, hippopotame. Et donc, Imhotep, qui était le premier écrivain qui quittait des traces, écrit des traités de médecine, il fait ça vers moins 2700. Papyrus de Ebers ou papyrus de Smith. Et nous nie des mounes comme William Osler, qui c'est un anglais qui était très connu, qui le connaît maladie, décrit ses endocardites, c'est-à-dire infection intérieure, chair, les valves, et puis les. Eh bien, monsieur William Osler a toujours dit que Imhotep de Memphis, c'est lui qui. Papa. La médecine. Guy Kozo à l'Ouvor, comme on disait aussi. Et puis, il y a madame Joanne Nivlib, qui Claudine Brelet, qui écrit les médecines du monde, et on dit dingue, et qui a remetté l'Afrique comme berceau, comme réellement, c'est là qu'ils ont inventé la médecine. Alors, la médecine, c'est qui ça? La médecine, c'est à la fois la clinique, c'est-à-dire que les badous, bon, Corvinou, badous, les malgoges, mais bon, les médecins, ils connaissent qui manière en gaugier, qui manière, voilà, sous on fait la fièvre, sous les difficultés pour aller, enfin bon. Et donc, et puis il y a thérapeutique. La thérapeutique, c'est l'imède cabal. Bon, si bon chadon béni, ou bien si bon. C'est un mode, ça différent. Et donc en fait, ça nous comprendre, c'est que Imhotep,
ces Grecs-là criaient Asclépios, et ils faisaient c'est Romain qui dit ça, et ces Romains criaient Escula. Et en fait, c'est Imhotep, hein, le maman Imhotep qui était en prêtresse. Nous ni aussi Pécéchef, en madame, qui était. C'est lui qui était premier chef de l'équivalent de l'ordre des médecins. Donc en moins 1200. En moins 2700. En moins 2700. Pécéchef. Donc ça, c'est place ces madame-là aussi. Ça nous crie la clinique, on y aussi bien physiologie cardiaque, pulmonaire, système circulatoire, physiologie des mécanismes, dans tous les appareils, on y biologie et les tests de grossesse, sémiologie, c'est les signes cliniques, athérome, ça savent encrassement des artères ou athérosclérose, et premier traité de cardiologie, qu'il y a dans le papyrus de Ebers, ni papyrus oublié, Hirs. Papyrus de Londres, Berlin et Brooklyn. Donc, on y des en médecin qui a dans la revue du praticien aussi qui validait ça, Bernard Zirguide, qui a dit que oui, effectivement, que la cardiologie, que c'est les Africains qui ont inventé. Alors, approche-là, t'es structuré comme à présent. Hein. Ça, t'es ni interrogatoire, inspection, palpation, auscultation, prise de pouls, t'es ni un bagage gris, clepside, c'était, ou mérette, c'était un genre de chronomètre. Et donc, les bruits du cœur, puisque t'es ni stéthoscope, et puis diagnostic là, t'es ni un diagnostic, t'es ni pronostic. Et enfin, thérapeutique. Donc, approche-là, tu es très structuré. Alors, ni toutes les graphies qui correspondent à ça, ça y est, en médecin, en chirurgien, en administrateur de médecin, en inspecteur de médecin, en prêtre purificateur, le doyen des médecins, le prêtre guérisseur. Donc, en fait, tout en partie, hein, qui est très impressionnant, c'est les os du crâne, c'est-à-dire que ça extraordinaire, ça impressionnant, manière, ça précis, hein, de ouais toutes les os du crâne qui manière ça t'est connu et manière ça illustré, ça impressionnant puisque c'est une des difficultés que les étudiants ont de apprendre les os du crâne. Et pourquoi, ouais, Monier, ça t'est connu et ça t'est bien fait, quoi. Enfin, bon, c'est ni longtemps. Le membre supérieur, le membre inférieur, l'abdomen. En myologie, les muscles, on n'a pas trouvé de description, mais c'est en l'air des statuaires. Hein, les statues, quoi, ouais, ça précise. Ça bien dessiné, bien identifié. En l'autre photo aussi, c'est l'intérieur crâne-là. Hein, qui permettent la neurochirurgie. Et donc, ouais, ça a impressionné, puisque ça a des aliénés de savoir apprendre, hein, dans les facultés, la faculté française, hein, à Paris, et donc, ou ailleurs, on ne sait pas. Et donc, ostéologie, ou ni le fonctionnement cardiaque, et puis le comment dire, on peut prendre les poux. Qui menait les poux, ces fréquences cardiaques là qu'on a misérées, ni en anatomie, ni des bagailles importantes, composition abdominale de l'organe là, qui est la rate, hein, à gauche, en bas, l'estomac là, les seins, enfin, toute anatomie, tout bah, là, t'es bien connu. Alors, donc, à passer aux spécialités, donc, tout ça c'est illustré, les spécialités à trouver aussi bien la pneumologie. Et puis description de la tuberculose et puis les traitements. Identification de l'asthme et puis des traitements et puis des inhalations. Vous trouvez neurologie et puis description accident vasculaire cérébral. Description d'hémiplégie.
description des aphasies motrices, description aphasie de compréhension, trouver des mots qui tenir des traitements pour migraines, de trouver identification épilepsie, maladie dite de Parkinson, les paralysies faciales, trouver tétraplégie, trouver myoclonie, souffrance médulaire, démence, y compris démence que nous crier à présent démence d'Alzheimer, vers moins 2381, dit Pharaon, qui était atteint de démence d'Alzheimer. En rhumatologie, nous trouvons spondylarthrite ankylosante, nous trouvons arthrite réactionnelle, lumbago, sciatique, scoliose, arthrose vertébrale. En gastro-entérologie, nous trouvons diarrhée, vomissement, constipation, hémorroïdes, dysenterie, enfin. Ni aussi les préservatifs qui étaient faits en bouillon de mouton ou en lait. L'estelle était une identification au monde qui était victime de poliomyélite. Et les autres spécialités, c'est ophtalmologie, et dit cataracte, décrit, glaucome, donc en fait, tension osier, hémorragie conjonctivale, cancer osier, hein, qui va. Et ouais, en oncologie aussi, ça c'était très surprenant, cancer OTT, maladie de Paget, cancer du col de l'utérus vers l'année moins 2200. Anesthésie aussi était au point, était au plan soit médicamenteux, soit par hypnose. Les urgences médicales, alors c'était les hémorragies, les syncopes, les traumatismes, et puis les accidents dans les chantiers. En infectieux, ni érysipèle qui s'est en infection jambes blanca rouge, et puis bon, c'est antibiotique après un café, mais il y a des cafés aussi. Les poussées d'herpès, poliomyélite, rhumatisme infectieux, notion soins palliatifs là, tu es au point d'accompagner un patient et tu ne pouvais pas traiter, quoi, accompagner, donc c'est là l'humanité a été là. Enfin, on dit aussi pharmacia, pharmacie, les dits qui procurent la santé. Donc les antibiotiques, nous trouvons pénicilline, le café et puis fermentation pain. Nous dit les tests biologiques, c'est les tests de grossesse, c'était préparé date en jus, mélangé et puis dit vin. Et si vous n'en pas de carbomi, si madame n'a pas de carbomi, et bien test là c'est négatif, ça dit maintenant pas enceinte. Et on dit aussi en bagaille qui très important, c'est le fait qu'en 1973, ça y a créé le codex britannique, c'est-à-dire l'ensemble des remèdes qui existaient en Angleterre. Et bien, le codex reconnaît que 77% de ces remèdes-là, c'est Cavini, dit Camita. Dit l'Afrique. Et donc, c'est constat en tout cas des Congolais, dit Camita. Et donc, aspirine qui est utilisée. Comme à la fois antalgique, c'est dit aussi des anti-parkinsoniens. L'idée, nous trouver Coculus, Yosutus, Thiels, enfin l'idée, nous vérifier, hein, c'est les talacs qui existaient, ces plantes talacs qui existaient. Et puis, ni des spécialités comme psychiatrie aussi, les dépressions, les mélancolies, les angoisses. Angoisse, c'était Stani, en égyptien. ORL, les spécialités médico-chirurgicales, angine, otite, le TK, enfin, trou à notre trachéa, trachéotomie. Donc, gynécologie obstétrique et puis accouchement. Ça, qui est sexy-mama-ela, qui était pouné, le TPDO, c'était anti-bolombe, anti-fille, à l'avance. Tennis césarienne, là, ça a été indiqué, et forceps aussi. Contraception, c'est qu'à fait soit par pilule, soit par stérilet ou par préservatif. Pilule là, comme on dit qu'à c'est que c'est fait à base de graines de grenade. Et il a trouvé que graines de grenade là, ni des phytoestrogènes. Et donc, c'est madame qui a pris des pilules, hein, qui était qu'à fait aussi. Et puis, en en pédiatrie, l'allaitement maternel a été préconisé jusqu'à l'âge de 3 ans.
C'est l'idée rhinopharyngique, qui identifie les otites et du résistema capicé, en cabando, parasiteuse. En dermatologie, les acnés, les comédons, les ulcères cutanés, les abcès, impétigo, alopécie, etc. Et donc, c'était en thèse de médecine de Mme Cécilia Mussini, qui était caractérisée de ça. Et là, donc, arrivé à chirurgie, hein, donc, on voyait des têtes qui trépanaient, des têtes au trou. Et ça qui est sûr, c'est que mon nom était quand rétabli et était quand même bon travail lié après. Donc, en fait, la neurochirurgie était quand existé et était pratiquée. Depuis au moins 2750 avant notre ère. La chirurgie vasculaire, on tenait des artériotomies, on tenait des ligatures artérielles. Nous trouvons que ça qui est disséqué, ça n'est qu'à fait dans le but scientifique. Donc nous dit Thaléa que neurochirurgie a non seulement épitrépanation, résection tumorale, hématome du rocher, qui sont des bagailles très particulier, et donc aussi hématome sous-dural, tout ça c'était des diagnostics, des bagailles qui étaient qu'à régler. En orthopédie, t'es ni fracture des os longs, t'es ni confection d'attelle. En urologie, lors d'un pissé sang, hématurie, sondage vésical, hypertrophie prostatique, cystite, rétention d'urine. En stomatologie, ni toutes les extractions dentaires, ni en livre de Mme Pauline Ledan, hein, donc qui identifier comment dire les soins dentaires t'es pratiqué, l'hygiène, la diététique et la prévention. Alors, on nous dit aussi en belle prothèse, c'est la première prothèse de l'humanité, donc c'est-à-dire que t'as des soucis, l'air a été coupé, pied en monde, hein, de compléter, de aider à marcher, hein, de fabriquer un pied, ben, ça t'est fait en tuy, hein, et en bois. Ouais, et non seulement ça fonctionnel, mais ça très esthétique, hein, parce qu'il traversait le temps. Donc en fait, nous mis aussi des ostéosynthèses, c'est-à-dire qu'à côté de prothèse-là, hein, il prend ou ni en fer, il passé à dans Jean Mounan. Elle doit moins de 2000 ans avant, à présent, 4000 ans. Donc ça, c'est l'effet d'idée, ouais, c'est peut-être donc les soins dentaires aussi, et puis des crochets, enfin en tout cas, toutes les bistouries, on pourrait trouver toutes les bistouries qui existaient à présent, déjà là. On pourrait trouver les curettes, les sondes, les rugines à os, les lames à silex, les cautères pour faire hémostase, donc à opérer, les ciseaux métalliques, les couteaux, les scies, les spatules, les crochets, les pinces. Donc c'est les deux plis foncés, c'est les anciens, et puis les deux derniers, ils ont dit, ouais, ben là, ils ne pas même évoluer, c'est même forme-là, c'est-à-dire, c'est de trouver forme-là, et jusqu'à présent, ils ont conservé ces formes-là qui étaient qu'à convient là, et bon, ils n'ont pas continué. Et donc, en fait, ni couteau, etc., ni en l'eau, en tout cas. Et ça, c'est le mur de Komombo. Et c'est là que j'étais très impressionné, m'en voyant en vrai, d'avoir écrit l'ouvrage-là, et puis après, m'en dit chance à aller en Égypte. Mais son nom, assez petit, il passe si l'âge dit ça, donc là, ça très grand, mais presque tous ces outils, hein, scruté à dans ma sonde. Et ça et justement, c'est tout ce qu'on place, c'est très tard que les otorhinomérichiens ont pu même identifier que c'est ce qu'on place, c'est tout ce qu'on place en l'air ma sonde. Donc c'est à la période de là que mes autres manières, ça impressionnait même. Et donc, voilà, donc c'est-à-dire que ça qui est extraordinaire, c'est que d'emblée, c'est un scope-là binaural, c'est-à-dire que ni en bouchage d'oreille, hein, ou ni en côté bouchage d'oreille, alors que là, il n'est qu'à inventer, bon,
longtemps, longtemps après, qui a commencé par faire un tube. En cette tube, et puis c'est longtemps après, il va arriver à ouais, fuck you, ni un bagage pour chaque oreille, quoi. Enfin, donc c'est extraordinaire. Et puis le caducée aussi, donc ça a été intéressant de trouver origine caducéa. Donc c'est Thoth Djéouti, quand il est baptisé Hermès. Et donc premier caducé, c'est ça. Et puis il a décliné et ça a mis des formes hein, qui évoluent. Voilà, et puis ça va tout ça. Hein. Donc c'est mes sens-là et la relation du monde visible et invisible, etc. Enfin, ça sert vraiment à représenter enfin, les ailes d'Osiris, en tout cas. Et donc, ça veut dire que c'est en Afrique, hein, dans la Kemet antique, que ce serment médical-là naît hein, pour première fois et dans les traités hein, de médecine. Et ça qui était mis, c'est que toute la médecine était écrite en traité et les médecins étaient obligés de respecter les traités, c'est-à-dire tout écart. Si tu es un monté mort, ben maintenant tu es sanctionné. Tu es en discipline. Et donc les éléments encore de l'éthique et de serment, c'était les lieux d'installation, les centres de soins, tu es des niveaux de surveillance dans les centres de soins, véritables dispensaires et hôpitaux. Et donc tu es contrôle d'activité des médecins et puis estimation du service rendu. Et il y a une action disciplinaire qui était prévue dans chaque cas. Et en principe, qui validait à présent, hein, qui gisse à présent, c'est ça qui est le principe de l'obligation des moyens plus que l'obligation des résultats. Donc il faut savoir que c'est dépit. Et Poctala est ni un doyen français qui reconnaît que éthique, immotel, est beaucoup plus haut que ça, il fait et puis. Après, et puis Hippocrate, notamment et puis les soins palliatifs, et puis là, la notion de l'obligation des moyens. Donc Imhotep, véritable père de la médecine, Sekhmet, patronne des chirurgiens, et Nian Bagay qui porte à l'un aussi, c'est la médecine dite énergétique ou quantique, que les... Et donc, soit Akmos, un corps du corps matériel avec les ondes suprasensibles, qui c'est un groupement de thérapeutes, et reconnaître que Thoth hein, est l'un des plus grands éducateurs de la race humaine. Et l'autre partie travaille là, en dehors de découvertes que les ancêtres nous tenaient. C'est découvrir l'ensemble de la médecine, mais c'est de comprendre les IOTK fait médecine quantique, c'était qui ça? Alors, nous trouvons que les Russes qui ont validé le paradigme là, médecine quantique, il y a un professeur qui est Piotr Garayev, et donc en 2011, professeur Tala, Jerry Antimomaï, des ans, qui tenait, c'est au cas qu'il y a une fibrose pancréatique. Et puis, des kystes à dents pancréatiques, qui est malade à 10 ans. Et donc, ça, l'équipe t'a fait, c'est qu'ils ont demandé à une famille en cousine germaine, de même âge-là, 2 ans, ils ont passé équivalence à notre cas, ouais, thermomètre infrarouge-là, enfin, c'est un outil comme ça, ils ont passé ça en les. Abdomen, les ventilomaïs là, qui étaient sains, hein, ils ont réglé, donc là ils prend empreinte ADN hein, et ils ont émetté lui en les ventilomaïs là qui étaient ni fibrose pancréatique là, et bien, ventilomaïs là, j'ai eu. Donc il faut savoir que ça a fait depuis 2011 et que ça a fait en Russie. Présence, les coupeurs de feu aussi, dans ces hôpitaux là, à Lyon. C'est la médecine quantique.
Tout savent que les coupeurs de feu, il y a quand ouais, c'est maintenant avant, les maintenant fini brûler et puis puis non mais il y a qu'à calmer et puis des formules, il y a qu'à calmer tous les maintenant et après les médecins qui apprennent les médecins traditionnels académiques, du moins qui apprennent la relève, il y a qu'à prendre en main. Donc la télépathie aussi, comme nous trouvons que télépathie aussi en pratique médicale en Afrique, nous voyons que par la suite, la télépathie validée hein, à l'heure actuelle. Donc c'est surtout que dans cette note, t'es ni prédominance l'esprit en l'air la matière. Hein, ça. Et puis c'est aussi la science, c'était un genre de... On ne peut pas dépasser l'autre qui n'y a dans l'univers. Donc c'est copier ça, c'est inspirer quand on dit ça. Et donc les fréquences, ça veut dire les fréquences humaines, qui a voyagé plus vite qui lumière. Et ça a testé. Et donc tout ça, c'est ça qui est médecine électromagnétique, médecine quantique. Eh bien, déjà, alors que c'est l'avenir, déjà dans cette note, tu es déjà initié ça. Donc, voilà, en être humain, c'était bon, non seulement énergie, hein, qui, conception dans cette note, qui a subi non seulement conception, croissance, énonciation, parole créatrice, incarnation. Et donc, c'est pour ça que la science quantique a fonctionné. Alors, on dit en partie, on est que toutes. Tout le monde qui a posé ni 9 corps, 9 couches, et les méridiens, les Chinois même ont testé que c'est les Africains qui apprennent mieux les méridiens. Les méridiens, c'est des canaux énergétiques, et ils ont appris ça METU, METU, 52 METU, 26 à droite, 26 à gauche, dans le papyrus de Smith et Hirtz. Et donc les fonctions physiopathologiques des METU, la bonne santé c'était la MAT et puis la bonne circulation de l'énergie. Et donc on y les chakras hein, qui les aritu hein, que les ancêtres nous les a identifiés. Et puis on y ses voisins de ça, ça y a crié la médecine vibratoire. Et c'est ce qui est, avant-dernier slide-là, qui est fini par ça. Donc c'est chaque monde, chaque individu, il y a une fréquence de vibration. C'est-à-dire est personnelle, unique dans l'univers. Et donc dans cette nous pensons que les mondes visibles et invisibles, ça. C'est comme ça qu'elle a fonctionné tout le long. Et c'est pour ça que la cause des maladies, hein, l'étiologie des maladies, c'est bien désaccord entre le monde et puis harmonie cosmique là, l'harmonie de l'univers. Comment on peut trouver quoi en désaccord? Involontairement, certainement, mais. Voilà. Et donc, la médecine vibratoire sacrée consiste. C'est-à-dire que Yuka fait aussi des. En papier incantation. Et nous y trouvons qu'en Asie, on y a des prêtres qui ont voyé des incantations et en même temps, il y a fait un madame qui est en échographie, il y a un fibrome, et il y a l'échographie pendant l'incantation, le fibrome blanc a diminué. Donc, la médecine vibratoire, c'est ça qui est déjà. Qui a existé en Afrique, assurant qu'il y a résonance entre partie signification des paroles et qui a provoqué une espèce de réception au niveau mounan et puis son hein, et puis fréquence sonore là. Et donc, voilà, en tout cas, tout est arrivé à améliorer l'état de santé patient. Donc en fait, ça nous comprendre, c'est que les ancêtres tenaient à la fois médecine là, nous connaître là,
anatomie, chirurgie, pharmacologie, etc. Et puis, approche énergétique là, et puis les méridiens, et puis les chakras, approche vibratoire là. Et donc c'est pour ça que, d'après moi, l'avenir, c'est réconcilier tout ça, et puis restaurer le serment d'Imhotep. Voilà, on finit. Merci beaucoup, docteur. J'imagine que vous trépignez sur vos chaises et que vous avez envie de poser plein de questions. Alors, je vous propose de garder vos questions précieusement parce que l'intervention était extrêmement riche et vraiment ça nous nourrit. Et je vous propose maintenant rapidement d'écouter, pas rapidement bien évidemment, mais je fais rapidement la transition. Avant, je vous rappelle que le docteur Doba Sholo nous a quand même ramené son livre « L'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie ». N'hésitez pas, vous aurez le prolongement de vos interrogations en attendant de poser vos questions. Très abordable, donc n'hésitez pas. Et donc je vais passer la parole à Marie-Andrée Concy.